Hello, bonjour. Je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. On va parler d'une dernière rumeur, un article écrit par des tabloïds accusant Meghan Markle d'accepter des cadeaux gratuits, d'être friande de ça. Et ils ont pris l'exemple de deux jeunes femmes qui, lors de leur participation à un show de télé où elles demandent de l'investissement, ont expliqué que elles ont créé leurs bijoux et, avec beaucoup de culot, elles ont envoyé une lettre à Meghan Markle afin qu'elle puisse porter leurs bijoux, à donner de la visibilité. Elles ont écrit une lettre assez émouvante à Meghan en expliquant qu'elles avaient créé leur entreprise et que ce serait bien si elles pouvaient porter cet article-là pour qu'elles aient de la visibilité. Elles ne payaient pas Meghan Markle, c'est juste que Meghan Markle devait porter cette boucle d'oreille. On connaît la passion de Meghan Markle pour l'entrepreneuriat et aussi pour aider les femmes, n'est-ce pas? Et celle-ci, souhaitant aider ces jeunes femmes à porter le bijou, il s'agit d'une boucle d'oreille en diamant. C'est un diamant assez spécial parce qu'il est fait à partir de poussière. Donc ces jeunes femmes ont dit que suite à ça, suite à la sortie de Meghan avec leurs bijoux, ben les ventes ont explosé. Et grâce à ça, ils ont pu non seulement agrandir leur compagnie, employer plus de personnes, passer de 3 personnes à 30 personnes, mais aussi créer une nouvelle collection d'habits. Et elles se présentaient maintenant devant ces messieurs, ces juges, afin de demander un investissement de près de 1 million de dollars, quelque chose dans le genre. Et c'est grâce à Meghan qu'elles ont fait ça, parce qu'elles n'avaient plus d'argent pour faire quoi que ce soit. Si Meghan n'avait pas été là, malheureusement, elles n'auraient pas pu agrandir leur équipe de la façon dont ça s'est fait. Et en plus de ça, peut-être qu'elles auraient fermé leur entreprise. Alors, le Daily Mail a pris leur témoignage pour ensuite écrire un article selon lequel, ah oui, Meghan Markle, elle adore prendre des cadeaux gratuits. C'est ridicule. Elle adore prendre des cadeaux gratuits. D'ailleurs, ces jeunes femmes l'ont dit. Et dans le livre du Prince Harry, il disait d'ailleurs que Meghan adorait les cadeaux gratuits qu'elle partageait ensuite à son équipe. Meghan Markle, c'est une personne qui est intelligente. Elle sait qu'il y a des personnes comme elle qui n'avaient pas forcément les bonnes entrées, qui n'avaient pas forcément une exposition pour pouvoir accomplir des choses. Peut-être que quand elle était encore une actrice qui souhaitait arriver, faire des choses, elle s'est dit que quand elle arriverait quelque part, quand elle serait célèbre, elle pourrait aider d'autres femmes. Et c'est ce qu'elle a fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait lui taper dessus. Parce que même si cet article, on nous dit, coûte 2 000 et quelques de dollars, ces 2 000 et quelques de dollars, elle peut les payer. Donc, si elle voulait vraiment de l'argent, si elle voulait faire de l'argent elle-même, elle aurait pu faire ça avec une marque qui lui aurait donné des millions. Donc, non, ici, c'était juste pour aider ces femmes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez vu la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.